Et c'est parti. Donc aujourd'hui on va faire LVM parce que quand j'avais fait le système de debugging, on avait vu comment rajouter de l'espace. En tout cas, j'avais commencé à avoir la possibilité de montrer comment rajouter de l'espace avec LVM. Puis là, on s'était rendu compte que ben on n'avait pas fait LVM, donc ça bloque un petit peu le problème. Donc là, on va juste voir le système LVM. On va voir le feature, la fonctionnalité, pourquoi ça existe. Comme je disais, j'ai pas eu le temps de faire la documentation. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché de la doc, je l'ai mis sur le site, les liens vers de la documentation externe, puis un jour peut-être, éventuellement, sûrement, je rajouterai de la doc à l'intérieur de du site là. Non, ça marche plus. Donc LVM c'est quoi? Donc LVM c'est pour Logical Volume Manager. Donc et il y a plusieurs fonctionnalités qui existent. Le resize et tout, mais on va voir plutôt le théorie. Ah merde. C'était pas là. C'est ici. Ok. Et ouais, j'ai aussi oublié la tablette, fait que sur la vidéo, ben il n'y aura pas les images là. Mais bon. C'est le monde cruel dans lequel on est. Donc on avait vu comme quoi sur l'arborescence, la structure physique du système du disque dur sur Linux, on avait vu que c'était tout le temps en arborescence un arbre, donc avec slash, etc. Et qu'on pouvait définir des partitions qui venaient se joindre à l'intérieur de cette structure. Hein? Donc si on reprenait l'arbre, et en fait on avait dit, bon, si j'ai un disque dur, donc le premier disque dur qui serait SDA, la première partition, donc SDA1, si j'en ai, mettons, je vais juste en mettre deux pour faire ça simple, on dirait que SDA1 c'est bindé au slash, et SDA2 est bindé sur le slash home. Ça va jusque là. Donc tout ce qui va être dans le slash home va être dans la deuxième partition, et tout ce qui est dans le reste de l'arborescence est donc sous le slash, donc va être à l'intérieur de la première partition SDA. Ça va? Donc si, bon, mettons, on va donner des valeurs fictives, je mets 2 gigs pour le slash, puis 20 gigs pour le home. Ok? Ça va bien, je suis super content, ça marche super bien. Et là, en fait, je me rends compte que mon 20 gigs pour mon slash home, ben là, tranquillement, pas vite, j'ai des documents sur lesquels j'ai travaillé, ça grossit, j'ai fait de la vidéo, bon, peu importe. Mon 20 gigs me suffit plus. Il faut que j'agrandisse mon espace de mon slash home. Donc là, je suis un peu, donc là, je me dis, ben pas grave, je vais acheter un deuxième disque dur. Parce que j'ai de la place, je vais le brancher dans mon ordi. Donc là, maintenant, j'ai un SDB. SDB qui est présent. Puis là, cette fois-ci, je me suis dit, je vais prendre un 500 gigs. Okay. Un 500 gigs. Okay. Donc là, j'ai un. Et là, ok. Donc là, j'ai fait une seule partition qui va être mon SDB1. Okay. Là, mon problème qui va se passer avec mon home, c'est que je peux pas rajouter dans la structure qu'on l'a vu sans le LVM. Je peux pas rajouter le 500 gigs dans mon home. Je peux pas avoir deux partitions qui sont montées sur le même répertoire. Ok? Donc, l'ancienne méthode, qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais dit, bon, ben, c'est pas grave, je copie mon 20 gigs du SDA vers le 500 gigs, et là, en fait, cette fois-ci, je remplace mon slash home, maintenant, ça va être mon SDA1. Et là, résultat, qu'est-ce qui se passe? C'est que j'ai perdu 20 gigs. SDB1, ouais, j'ai perdu 20 gigs parce que là en fait mon 20 gigs qui est là, ben je pourrais le réallouer ailleurs, mais j'ai une perte d'espace qui serait présent. Là on parle de 20 gigs, ça va, mais si j'achète deux disques de 1 Tera puis que je vais avoir 2 Tera à la fin, ben ça serait bien de pouvoir jumeler plusieurs partitions, plusieurs devices et les monter sur le même répertoire. Donc moi mon objectif, ça serait que je n'ai pas donc 500 ou 20 gigs, mais j'ai bien les 520 gigs de disponibles pour ça. Ok. Ouais, et c'est ça le LVM, il va me permettre. Il va me permettre de prendre des volumes physiques, des physical volumes, donc des partitions, les merger ensemble,
les mettre à l'intérieur d'un groupe, donc ce qu'on appelle le volume group, et après de le rediviser pour le fournir à chacun. Si on regarde, c'est ça qui fait ici. Ici, donc, il a plusieurs partitions, donc de 1 point, hop, plusieurs partitions qui sont présentes. Il met ça, toutes ces partitions, il les met sous un volume group, donc qui fait 9.1 gig x 3, moins le 75 gig, parce que le slash boot, il ne l'a pas mis dans le LVM, je reviendrai là-dessus pourquoi. Et après, il a redivisé, il a recréé des logical volumes pour donner 20 gig pour le home et pour le slash, et il s'est gardé en free space 5 gig. Donc il a mergé les différents partitions. Un autre diagramme. Un autre data. Juste un instant, je regarde si j'ai un autre diagramme. VM component. Ok. Oui. Le plus pratique. Ça, c'est un choix. En fait, LVM, lui, ce qu'il va te fournir à la fin, il te fournit un device, okay, qui peut être traité aussi bien comme si c'était... Il va simuler, en fait, un SD, l'équivalent d'un SDA ou un SDB. Donc, il va te fournir un device à la fin. Tu peux le mettre en swap ou pas en swap. Donc, ça, c'est vraiment toi qui peux voir. Il y a des avantages de le mettre en swap. C'est comme on a vu pour les serveurs de base de données Oracle, ça nous a permis d'augmenter l'espace du swap sans avoir le casse-tête de repartitionner. Donc ça, c'est un avantage. Il y a un petit coût de performance, mais si minime face à la problématique que si tu veux augmenter l'espace, et là, tu as une baisse de performance. Donc, si tu mets la swap dans un fichier parce que tu n'as pas réussi à l'augmenter, là, tu auras une baisse de performance parce que tu as le swap du fichier plus le file system qui gère ce fichier-là. Donc là, c'est significatif. Oui, tu peux avoir deux partitions, là, mais si tu as tout pris ton espace... Tu peux avoir autant de... Tu peux créer du swap avec plusieurs partitions, sans problème. Ok. L'autre avantage de la swap, c'est que ça nous permet aussi de faire des resize, donc de redimensionner les espaces. Comme on avait vu ici pour son 20 gig pour le home, puis 2 gig pour le slash. Bon, 2 gig c'est peut-être un petit peu court pour... Mais on peut réattribuer les espaces du home, puis dire bon, ah, ok, j'ai juste mis 2 pour le slash, c'est pas assez, et hop, dire ok, bon, bah, finalement mon home il va être 15 gig et je redonne 5 gig de plus pour le slash. Donc l'avantage d'utiliser les LVM, c'est que une fois que il y a cette couche de virtualisation, donc qui est présente, on peut après faire de la réattribution d'espace sur l'ensemble des endpoints qu'on a créés. Comparativement à si je fais des partitions statiques, mais après changer ou rajouter l'espace de l'un à l'autre, c'est difficile, surtout si les partitions sont pas contiguës. Il faudrait que je supprime une partition, que j'en rajoute un petit peu, puis donc là on se retrouve vraiment avec une problématique physique du disque dur là, pour pouvoir jouer et manipuler sur le système. Le système LVM me permet aussi de faire des snapshots de la partition. Donc, j'ai mon device, hop, je fais un snapshot, je peux faire mes mises à jour de système, puis deleter mon snapshot ou revenir à ce snapshot aussi là. Donc ça, c'est un point intéressant qui est présent. On l'avait utilisé un petit peu ici, mais pas beaucoup. Bon, on peut faire du RAID, mais ça, on verra ça un peu plus tard. Puis c'est pas mal ça, là.
Vous regarderez les autres éléments intéressants. Mais vraiment, ce qui est intéressant, c'est la possibilité de faire le resize, merger plusieurs partitions en une pour un endpoint. Et les snapshots, c'est vraiment ce qu'on va utiliser plus au day-to-day, là, si on peut dire. Là. Donc, ça se divise en trois composantes. Il y a le physical volume, alias PV, le volume group, VG, et les logical volume. LV. Le physical volume, c'est l'association des parties physiques. Donc, c'est les partitions que tu vas prendre et que tu vas taguer étant de type LVM. Donc, qui vont être utilisées pour le logical volume. Le volume group, ben, c'est le regroupement de plusieurs volumes physiques. Donc, physical volume. Donc, un volume group contient plusieurs physical volumes. Et le logical volume, c'est la division du volume group en plusieurs partitions disponibles. Okay? Donc, si on fait une petite démonstration. Donc, ici, déjà, on le voit à l'intérieur du système. Je vais grossir un petit peu encore. Hop. Voilà, il manque un petit peu première partie, mais ici c'est slash dev slash mapper, et là on voit le volume group LV root. Donc j'ai un volume group qui est déjà présent. On peut utiliser VG, donc volume group display, pour visualiser les groupes qui sont présents. Enter. Et là ça me donne le nom du volume group, donc on voit avec vol group, et bon, le type que c'est. La taille qui est actuellement pour le volume group, et si c'était disponible. Bon, là j'ai rien d'alloué, là j'ai rien d'espace libre, tout est utilisé pour le slash en ce moment. Okay. J'ai aussi PV display qui me montre les volumes physiques. Donc là j'ai dev SDA 2 qui est ma deuxième partition, qui est membre du groupe volume group. Et donc là, on voit que là j'ai bien le 15 gig qui est attribué. Et j'ai le LV display qui me permet de visualiser. Ah, en fait là j'en ai deux. Je vais mettre ça dans, pas épeler ça dans l'S. J'ai le premier volume group qui est pour le slash, qui fait donc 13.51 gig, qui est bien membre du nom du volume group vol group. Et j'ai un deuxième logical volume qui est pour mon swap, donc qui est pour la partition d'utilisation de mémoire, qui est d'un gig. Donc déjà on voit que le volume group en ce moment il est divisé en deux, et là il y aurait moyen de dire bon ben mon swap est pas assez, de prendre 2 gigs là et de le transférer là, en théorie. C'est sûr que là mon disque dur est presque plein, donc ça serait un peu difficile de faire l'opération, mais dans la théorie c'est comme ça. Donc, si je reprends, ce que j'ai fait, c'est que j'ai j'en ai 12 gigs de disponibles, mais bon, on va voir. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté, là on a vu que dans les physical volumes, j'utilisais uniquement SDA2, juste la deuxième partition. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis rajouté un autre disque dur, SDB, donc j'ai rajouté un deuxième disque dur sur le système de 8 gigs. On avait vu la commande fdisk qui me permet de manipuler les partitions. Donc ce que je vais faire, c'est que on va rajouter ce disque dur là dans le volume group pour rajouter un peu d'espace. Ça vous va? Parfait. Si j'affiche, donc là j'ai utilisé fdisk pour aller sur les tables de partition. Je regarde, vu que c'est un nouveau disque dur que j'ai rajouté, c'est vide. Je rajoute une partition primaire 1, puis là je sais pas, je vais mettre 3 gigs, excusez, plus 3
gig. Parfait. Puis je vais en rajouter une deuxième. 2, 3 gigs aussi. Ouais, 2 secondes, j'ai juste fini mon opération. Oui. J'aurais pu créer des partitions étendues, ouais, sans problème. En utilisant LVM avec les partitions étendues? J'ai pas eu de problème, c'est vrai que c'est rare que... Ah, mais là, tu peux pas. Il fait tout ça lui-même. Tu dis juste j'en veux une étendue, il va te créer une partition primaire qui va englober le reste, puis qui va créer les étendues dedans. Mais c'était le problème que tu avais, c'était quand tu faisais le F-disk ou quand tu utilisais LVM? Ok, ouais, je sais pas. Enfin, voilà. Parce que j'ai jamais eu de problème avec ça, là. Même depuis longtemps, longtemps, donc je serais étonné. Ouais. Ah ouais. Je t'avoue, je fais jamais attention s'ils sont collés ou non. Je laisse toujours par défaut et... Ouais, je sais pas, là ils sont collés, on le voit bien là, 3,93, 3,94. Ah, ok. Ok, je comprends. Ouais, quand tu... Ouais, ça c'est assez rare, surtout avec les systèmes virtuels, c'est assez rare que je modifie en plein milieu. Je crée de nouveaux disques tout le temps, là, de nos jours, là, mais effectivement quand tu travailles du physique, là. Donc, si on revient, j'ai donc mes deux partitions, SDB1 et SDB2, et là on voit, ils sont identifiés comme des partitions de type Linux. Donc c'est en fait des partitions de type Primary Linux, là, donc normalement qui seraient utilisées en ext3 ou ext4 directement. On va juste changer avec l'option T pour changer le type de la partition pour lui dire que ça va être une partition LVM. Je pense que c'est 8E ou FD, là, je sais plus. 8E, ouais, c'est ça. C'est 8E. On le voit là. Maintenant, je mets 8E. Hop. J'affiche. Donc maintenant, la première partition est donc de type LVM, Linux LVM. Donc quand le système, après, il va booter et que LVM, le daemon LVM va démarrer, il va dire, oh, ok, est-ce que j'ai des partitions de type LVM à prendre? Ah oui, ok, donc je vais lire les ID tags, il va voir si les headers de la partition, et ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer de réassembler pour recréer les devices virtuels, en fait. Donc c'est pour ça que c'est important de bien changer le tag des partitions pour que le système pense à les lire et à reconstituer les logical volumes. Donc les volumes virtuels, si on peut dire là. Ouais, il relie en fait les partitions. Bien sûr, le slash, on lui donne au début le premier slash, mais il refait une lecture à chaque fois. Donc, je vais faire la même chose. 8E, on a dit. 8E. Parfait. Donc là maintenant, j'ai mes deux partitions de type LVM. Donc maintenant. Dev, SDB, on voit, j'ai bien mes deux partitions qui sont bien présentes. Maintenant, je vais... Parce que là, qu'est-ce qu'il va faire? Il faut que il mette des petits... Puis il met un header sur la partition. Donc maintenant, il faut que j'identifie ces deux partitions comme étant des physical volumes.
Donc je vais dire PV create, crée, identifie cette partie, oups, comme physical volume. Donc là maintenant, hop, fail to get device successfully create. Bon. Bon, il dit que ça a marché là, je ferais juste que. Là, on voit, c'est le mineur majeur qui est là. Je pense que ça marche, mais je vais part propre. Je vais part. Ah, j'ai pas part. Je sais pas part probe. Ouais, merci. On va faire PV display. On devrait les voir. Bon, ils sont bien là. Je sais pas pourquoi il m'a donné ces erreurs. Normalement, j'aurais fait part probe pour qu'il relise les tables de partition. Parce que vu les erreurs qu'il me donnait avec le fail to get device, donc pour que le kernel il relise les tables de partition, mais apparemment il n'est pas installé. Donc, c'est la mince consolation. Donc ici, si je refais le PV display, j'ai toujours mon SDA, bien entendu, donc ce qui est utilisé, et maintenant j'ai mon SDB qui est présent avec la taille, mais qui n'est pas associé à un volume group. Donc là, je pourrais faire un volume group extend pour étendre le volume group. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter la première partition SDA1 au volume group existant. Donc, mon VG display. Aujourd'hui, tout l'espace, j'en ai pas du tout d'espace disponible que je pourrais allouer à une partition. Je pourrais pas étendre, agrandir mon swap. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter la partition, le physical volume SDB1 au volume group, ce qui va me donner de l'espace qui sera disponible, allouable aux autres partitions. Ça va? Donc, VG extend, enter. En fait, c'était le help que je voulais. Donc, vol group dev SDB1. Donc, j'étends le volume group, vol group avec la partition SDB1. Hop. Et maintenant, si je fais un VG display, j'ai bien les 3 gigs de mon physical volume SDB1 qui est disponible. Et maintenant, si je voulais, donc de mon 12 gig disponible pour la partition slash, je pourrais dire LV extend, je vais étendre, si on fait LV display pour commencer, je vais prendre la partition là, paste, donc la partition, c'est logical volume LV root qui est actuellement de 12 gigs. Je vais l'étendre et je vais le. Non, de 15 gigs, excusez-moi. Je vais lui rajouter 2 gigs. Ouais, parce que le volume group. Je vais faire tail, juste les 10 dernières lignes. Le volume group, on avait vu, il a 3 gigs qui est disponible, utilisable. Donc, faire un LV extend, moins L, plus 2 gigs. Paste. Donc, j'étends 2 gigs sur le logical volume qui est là. Tadam! Et là, il set to 15.51. Et là, bon, là, il m'écrit encore 15 gigs. Il est passé donc de 14 à 15.51. Non, il était à 13 en fait. Et il me reste juste à faire un resize to FS. Parce que là, le problème, c'est que la partition, elle a été agrandie. Mais le file system, il pense toujours qu'il a 13 gigs. Donc, hein, la partition a fait ça. Bon, ben. Hop, on a fait ça. Nous, on a étendu ça ici, mais le XT4, ouais, il pense encore qu'il n'a que ça. Donc, on va lui dire, va chercher le reste avec resize to FS.
Et on peut le faire à chaud même si le système y roule. Il n'y a pas de problème avec ça. Non, pas besoin de redémarrer. Regarde, j'ai mon 16 gig qui est disponible. On peut tout faire l'opération à chaud. Même si c'est le slash, même si c'est la racine du système. Il n'y a pas de problème avec ça. Ok. Bien sûr, on aurait pu créer aussi. Donc, si on prend lot volume group, dev sdb2. Donc là, je crée. VG create, je pourrais créer un nouveau groupe. Mon groupe. Oups. VG create. Ah, même pour le create, il veut quand même avoir au moins un physical. Je savais pas ça. Dev sdb2. Paf. Donc maintenant, si je fais un VG display, j'ai bien mon vol group original plus mon groupe, mon deuxième groupe qui est lui, donc avec juste les 3 gigs. Excusez-moi. C'est sûr que si j'ai combiné plusieurs partitions, plusieurs physical volumes, puis j'ai un disque dur qui pète, ben je risque de perdre des données là. Hein, y a pas de redondance là, c'est juste c'est cumulé ensemble, mais j'ai pas de protection. Quoi? C'est pas un RAID 0 parce qu'il va pas optimiser l'écriture ou la vitesse là. J'ai juste une concaténation là, ouais, un gros tapon là, si tu veux là. ça peut être vu comme ça, hein, mais effectivement, c'est une accumulation des différentes partitions qui fait en sorte que tu peux les avoir. Voilà. Ouais, mais ça c'est le cas de la VM là. C'est-à-dire qui a plus ou moins le lien avec le LVM. Parce que le LVM, toi, moi, j'utilise chez moi pour mon système pour agrandir mon home, pour pouvoir avoir plus d'espace là avec plus de disques durs là, mais pas nécessairement avoir un gros d'un tera là. Ok. Pas mal ça. Le ducal, configuration, resize. Ouais. Je suis pas sûr de saisir la question. Je peux pas convertir une partition déjà créée. Il va falloir que je copie mes données à côté et après que je la recrée. Parce que si on regarde, tiens d'ailleurs, on va pouvoir en faire une. Là, j'ai créé un volume group. Je vais créer LV create. Je vais faire le help. LV create moins L, par exemple 2 gigs. Et là, ça va être. Il faut que je lui donne un nom. Excusez, ce sera pas un nom. Moins N, moi, par exemple. Pas narcissique, non, non. Et le. Volume group qui est, il est pas loin, ouais, il est obligatoire. Fait que c'était, je me rappelle plus, VG display. C'était mon groupe, encore une fois. Copie, hop, paste. Donc là, j'ai ma logical volume LV display. Hop, qui est ici, dev mon groupe. D'ailleurs, c'est intéressant que
Il m'a dans mapper, dev mapper, ici, on retrouve, il a mis comment il le nomme, il met le nom du volume group et après le nom du LVM. On le voit aussi ici. Et il crée aussi dans dev group, mon groupe, un répertoire avec les différents partitions. Donc on voit juste pour la question d'organisation. Et si je fais aujourd'hui dev mon groupe moi et que j'essaye de monter cette partition dans MNT, il va pas vouloir parce qu'il va dire qu'il n'y a pas de file system. Donc pour créer un logical volume, il faut quand même que je la formate ou que je la crée. Donc c'est pour ça que je pourrais plus ou moins convertir quelque chose qui est déjà présent et le mettre en... C'est un peu la problématique, là. Ici, je peux la formater en format que je voudrais, là, n'importe quoi. Là, ça pourrait être même du NTFS, là, en théorie, là. Ou du XT4, ou peu importe, là. Mon groupe, moi. Et là, à ce moment-là, je pourrais le monter. On le voit bien. On peut bien faire un... Tant qu'à être là, on va faire un snapshot. Là. Snapshot. Configuration. Create. Ouais, ils me le font même pas le snapshot. Ah ouais, ça va être... Quand il crée le snapshot, tu lui dis la taille qu'il va prendre pour éviter qu'il prenne trop d'espace. Quand tu fais le snapshot, tu lui limites dans la taille de la différence, en fait. Pour pas qu'il foule le... parce que lui, où il va prendre de l'espace, il va le prendre dans le volume group qui est disponible. Donc tu fais le snapshot de la partition et... Bien entendu, il va une différence. Il va mettre des nouveaux fichiers, les supprimer. Et cette contenu du snapshot, faut qu'il le mette quelque part. Il n'y a pas de secret, là, il n'y a pas de miracle. Donc, il va prendre de l'espace dans le volume group. Et en fait, tu lui définis, idéalement, un espace maximum qu'il va prendre. Je ne sais pas, je pourrais pas te le dire. La duplique, mais le duplicate c'est une copie là. C'est garder une copie, mais c'est que là, quand tu fais le duplicate, tu peux pas dire ok, ma mise à jour elle a fonctionné, merge les différences, détruis le snapshot et merge. Quand tu fais le duplicate, ben faut que tu prennes ton duplicate et que tu le remènes ou si tu fais un rollback ou quoi. Le snapshot, il prend une image du disque actuel, il le stocke en mémoire et il te donne la possibilité de faire un revert to snapshot ou un merge. C'est le cas où j'ai besoin de faire un exemple. J'ai un LVM pour Oracle. Je dois faire une mise à jour d'Oracle de 9.1 à 9.2, mettons. Je suis pas confiant. Je veux avoir un snapshot. C'est une machine physique. Je peux pas faire un snapshot dans mon système de virtualisation, KVM, VMware, whatever. Donc là, je suis comme coincé. Ah, est-ce que je fais une copie de mon serveur au complet? Même si j'ai tout fait, est-ce que je suis encore confiant ou non? Donc là, ça te permet de faire un snapshot au niveau du file system, donc du LVM, de faire ton opération de mise à jour de Oracle. Si la mise à jour d'Oracle a marché, parfait. Merge, détruit le snapshot et revient et reste avec la version courante. Ça n'a pas marché. Ben là, tu peux faire un revert to snapshot et revenir avant d'avoir commencé le processus de migration de mise à jour d'Oracle.
Et là, je donne l'exemple de Rack. C'est sûr que c'est plus facile quand tu travailles sur une partition qui n'est pas ton slash. Parce que, qui n'est pas le système d'exploitation. Ouais, mais non, ça pourrait être slash usr ou, tu sais, c'est juste que quand tu travailles sur ton slash, c'est plus touché parce que tu as plus de modifications. Puis quand tu veux revenir à ton snapshot, vu que tu es dedans, il faudrait que tu bootes avec un live CD idéalement pour pouvoir revenir. Tu sais, y a un aspect plus complexe quand c'est ton OS que tu veux faire ça. Mais c'est plus facile pour faire une. Je t'aimerais qu'on ne l'utilise pas énormément. C'est pour ça que je suis en train de regarder rapidement la doc là pour on l'a utilisé 2 3 fois lors des moments critiques. Maintenant qu'on a tellement de systèmes de virtualisation que ben on est moins amené à l'utiliser. Je reviens. C'est ça. Ben, en fait, le merge et le revert, c'est quand tu reviens à convert là. Reverting to là, c'est quand tu veux revenir à la convert, excuse, c'est pas merge, c'est convert. Pour revenir à revert to, revenir au snapshot précédent. Donc, bon. J'ai pas, j'ai plus beaucoup de temps là non plus, là, mais si on regarde, là. Quand même le faire juste pour dire là. Hop! Snapshot 1, 2, dev, mapper, mon groupe, moi. Je fais le snapshot. Dev. Oui, parce qu'il n'a pas le choix en fait. Mon groupe. Attends, on va aller dans mon groupe. Ici, donc maintenant, j'ai deux logical volume, moi, puis snap 1. LV display. Yes. Donc, on voit bien, j'ai le moi plus le snapshot qui est là. Puis il te donne le pourcentage d'utilisé. Allocate to snapshot, vu qu'on l'a limité à 100 gigs sur une LVM de 2 gigs. 100 megs sur une LVM de 2 gigs. Active destination for moi. C'est pas mal ça. Ok, donc ça nous permet de visualiser. Et si je fais des modifications, j'ai pas énormément de data là, mais CP-R de USR dans MNT. En fait, là je vais juste essayer de générer un petit peu de data à l'intérieur pour que ça fasse des modifications. En fait, là, si je fais un. Oups. Df-h, et maintenant si je refais mon LV display, on devrait voir une augmentation. Donc là, c'est ça. Donc là, j'ai rajouté. Donc là, je suis pas loin du 100 MB. Donc je suis à 49,51. Et quand ça va arriver à 100, ça s'arrête. Le snapshot n'y marche plus. Oui, si je me souviens bien, il m'avertit. Ah, merde. Ouais, cher. Non, je travaille sur ma part mon LVM, mais les données, il le met dans le snapshot parce que pour qu'il touche pas le premier. Le 100 gig, c'est le différentiel en fait. C'est ce qu'il est capable de gérer comme différence entre le moment du snapshot et ce que tu fais. Ouais, ouais. Donc là, on voit que j'ai dépassé. Je fais mon DF. Donc là, je suis à 200 megs. Donc j'ai clairement dépassé. Puis ici, il me dit. Device mapper, snapshot, invalidating snapshot, unable to allocate exception. Ouais. Ouais, on va voir si. Le snapshot il est là, mais je suis à 100% invalidate. Ouais, ça.
inactive deselection. Alors qu'avant, il était. Ah, mais là, j'avais tout le temps mis ça dans. Ah, je l'ai plus. Faudrait voir sur la vidéo. Donc, c'est comme ça les LVM, et c'est pour ça que quand j'avais fait la présentation de la récupération de l'espace ou l'utilisation de l'espace disque le week-end, donc quand on est sur appel, c'était ça l'idée de pouvoir. Ouais, c'est ça. Tac. J'ai le problème d'espace. Donc là, j'ai pas arrangé mon layout. Qui était la partie à la fin pour voir comment rajouter de l'espace disque avec le LVM, de voir le LV display, le volume group avec l'espace qui est souvent disponible. Ici, on laisse toujours un petit peu d'espace pour pouvoir rajouter quelques gigs au cas où. Pas sur tous les serveurs, parce que parfois on en a eu besoin, là, on s'entend. Mais dans le cas où, surtout pour les machines virtuelles, je vais rajouter un disque dur, hop, puis là je vais créer ma partition, puis je vais étendre mon LVM. Donc avec les systèmes de virtualisation, ça se fait bien maintenant. Et là, je fais mon ajout. C'était ça que je voulais présenter la dernière fois. Mais ça a été un peu plus compliqué, hein, vu qu'on n'avait pas vu LVM. C'est bon? Voilà.